Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Visite du chef de l'État à Abidjan, Côte d'Ivoire, au cœur des échanges, des questions bilatérales. Patrice Talon était également à la Banque africaine de développement et à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Mécontentement des hommes des médias du Bénin, ils dénoncent la fermeture de certains organes par la HAC. Un sit-in a été organisé ce jour à la Bourse du Travail à Cotonou. Assemblée nationale, question des députés au gouvernement, deux domaines abordés, les questions de vie carcérale et la chute de la filière des véhicules d'occasion. Et merci de votre fidélité. Le président de la République a effectué en milieu de semaine une visite de travail à Abidjan. Patrice Talon a eu à cette occasion des échanges avec son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Les questions, les discussions entre les deux hommes ont porté sur divers sujets, notamment les institutions financières sous-régionales, la crise en Gambie ou encore l'excellente qualité de la coopération bilatérale. Renaud Akapo. Au quartier Plateau, sur les bords de la lagune Ébrier, le président Patrice Talon est accueilli avec les honneurs au son de la fanfare de la garde républicaine. Dans l'enceinte du palais présidentiel d'Abidjan, c'est le chef de l'État ivoirien en personne qui vient à l'accueil de son homologue béninois. La poignée de main chaleureuse entre Alassane Ouattara et Patrice Talon est le signe évident de la confiance mutuelle et des solides liens d'amitié qui lient les deux personnalités. Les discussions entre les deux hommes d'État ont porté sur divers sujets, notamment les institutions financières sous-régionales, la crise politique en Gambie ou encore l'excellente qualité de la coopération entre les deux pays. C'est difficile la période post-crise. Cette visite d'amitié revêt tout un symbole. Elle intervient au moment où le pays de l'Ivoire ouvre la page d'une nouvelle république, la troisième suite à l'adoption d'une nouvelle constitution. Monsieur le Président, j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous rencontrer avec votre nouvelle équipe. J'ai eu également ce plaisir, même honneur, d'être accueilli tout à l'heure à l'aéroport par le premier vice-président de la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Et comme j'aime bien le dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce privilège qui a été le mien est certainement la preuve que la relation entre la Côte d'Ivoire et le Bénin sont les meilleures. Tout à fait. Et j'en suis fier. Merci beaucoup. Et je voudrais vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour le leadership que vous incarnez dans la sous-région qui nous inspire tant. Merci. Et vous féliciter pour la manière dont vous êtes en train de gérer ce grand pays de la sous-région qui est important pour nous. La Côte d'Ivoire est un pays important pour moi. Vous féliciter également pour la sortie de la petite crise qu'il y a eu. Je me permets d'en parler parce que toute la région, je suis de très près de la Côte d'Ivoire et le petit moindre incident nous interpelle. Alors, je pars ma voix, le peuple béninois tout entier félicite la Côte d'Ivoire et prie frère ivoirien de tout faire pour préserver la paix, la tranquillité que nous connaissons depuis quelques années dans notre région, parce que c'est la seule condition pour nous de nous développer, d'attirer les investissements et de pouvoir tranquillement sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'évoquer avec vous les sujets qui importent pour nous dans la relation de la sous-région, la Gambie. Nous avons parlé également de l'UMOA, la petite crise quand même qu'il y a, il faut oser le dire. C'est vrai. Mais nous sommes en train de trouver les voies de convergence pour que toute cette petite crise qu'il y a à Gambie, notamment, trouve une solution. Et d'ailleurs,
Nous sommes félicités des dernières déclarations qu'a eues le président Djamé en Gambie et qui nous rassure, qui montre que nous sommes en train de sortir de la crise et nous allons partir ensemble, n'est-ce pas, monsieur le président, à Banjul le 19 janvier. Et cette frayeur sera derrière nous. Tout à fait. Nous avons eu également l'occasion de parler des institutions financières de notre sous-région. Je vous ai indiqué quelques pistes d'action. Tout à fait. Le président m'a promis d'agir avec toute sa notoriété et son leadership pour que les petites observations que nous faisons soient prises en compte par la gouvernance de ces institutions. Malgré un agenda politique particulièrement chargé, le président ivoirien s'est réjoui de ce moment d'échange et de partage avec son homologue béninois. C'est un grand honneur et un plaisir vraiment partagé de vous recevoir à nouveau en Côte d'Ivoire. Vous êtes chez vous, ici. Et donc le peuple frère du Bénin a toujours été pour nous un pays d'hospitalité, un pays de convivialité, d'amitié. Et les deux peuples sont vraiment ensemble. Et nous sommes heureux que chaque fois que vous avez l'occasion de venir, vous venez nous saluer. C'est un grand honneur et je voudrais vous remercier à mon nom, au nom du gouvernement, notamment les membres du gouvernement qui sont avec moi ce soir. Comme vous l'avez dit, nous venons de mettre en place un nouveau gouvernement. Hier, nous avons également nommé un nouveau vice-président. Et donc les institutions sont en place et nous continuons de travailler pour que les choses s'améliorent et évoluent comme nous le souhaitons, dans l'intérêt bien sûr de la Côte d'Ivoire, mais également de la sous-région. Avant ce tête-à-tête présidentiel, le chef de l'État a été reçu au siège de la BAAD par les dirigeants de cette institution bancaire panafricaine. Il faut ajouter que le séjour du chef de l'État à Abidjan a été aussi marqué par la visite qu'il a effectuée à la Banque africaine de développement et au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières. On retrouve donc Renaud Akabo. La visite du chef de l'État à Abidjan comporte un large volet économique. Accueilli à sa descente d'avion par Daniel Kablan-Duncan, Patrice Talon a d'abord adressé ses félicitations au tout nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire pour sa nomination au rang de deuxième personnage de l'État. Je suis toujours très bien ici en Côte d'Ivoire, un peu comme chez moi. J'ai eu l'occasion de saluer et féliciter la nouvelle équipe. J'ai l'occasion ici de rencontrer le nouveau tout premier vice-président. Pour moi, c'est un honneur. Après les échanges de familiarité orchestrés dans cette atmosphère bon enfant, le chef de l'État a eu un bref échange avec certains béninois de la diaspora ivoirienne réunis sous le pavillon présidentiel de l'aéroport d'Abidjan. Cap a été ensuite mis sur le siège principal de la Banque africaine de développement devant l'imposant immeuble. Patrice Talon a été accueilli par le patron de l'institution bancaire panafricaine, le Nigérian Akin Wumi Adesina. Signature du livre d'or et réunion de travail avec le staff de la Banque africaine, le programme d'action du Bénin révélé a été présenté aux dirigeants de la Banque panafricaine. Face à la nécessité d'une forte mobilisation de financement, le président Patrice Talon a exprimé sa volonté de voir les relations actuelles avec la première institution bancaire africaine boostée et dynamisée. La synergie d'action souhaitée entre la BAAD et le Bénin devrait déboucher sur l'accélération de la mise en place des projets de développement. Le plaisir et l'émotion ne seraient pas si grands. Cette visite intervient à point nommé, a indiqué le patron de la BAAD qui a réaffirmé l'engagement de la Banque panafricaine à injecter des financements dans les secteurs où le Bénin a un avantage comparatif, avec en bonne place l'agro-industrialisation. Le portefeuille actuel destiné au Bénin comprend 11 opérations pour un montant de 355 millions de dollars, soit un peu moins de 220 milliards de francs CFA. L'autre temps fort de la visite du chef de l'État dans la capitale économique ivoirienne se lie à travers les festivités marquant les 20 années de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Tout est à la hausse depuis ce matin. Ça s'appelle l'effet Talon.
ancien administrateur de la BRVM, le président Patrice Talon est le parrain des festivités des 20 ans de l'institution boursière célébrée le mois de décembre dernier. Nous accueillons aujourd'hui un demi-fautre. Le président des conseils d'administration de la BRVM, le Sénégalais Pierre Goudjabi Atepa, n'a pas tari d'éloge sur le rôle précurseur du président Talon. Son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, est l'un des précurseurs du marché financier régional car ayant siégé en qualité d'administrateur de la BRVM et du BCBR de décembre 1996 à l'an 2000. Vous êtes donc dans votre maison. Vous l'avez connu en pleine construction en 1997. Voilà qu'elle est devenue 20 ans après. Voilà ce qu'elle est devenue. De 1000 milliards de capitalisation à ses débuts, la BRVM en est aujourd'hui à 7000 milliards après 20 années d'activité. En 2021, c'est-à-dire dans 4 ans, nous devons pouvoir être dans un processus d'intégration avec les autres bourses. Edo Kossi Amenouvé, le dirigeant de la place financière de l'Union économique et monétaire ouest-africaine basée à Abidjan, a indiqué les performances et les défis actuels de l'institution au cours de son intervention. Nous avons hérité. Pour le président Patrice Talon, la dynamique en cours doit être maintenue et accentuée. L'Afrique peut se développer. Si nous avons fait ça, si vous avez fait ça, c'est que nous sommes capables de faire tout le reste. Alors c'est vraiment un bon signal pour nous tous, c'est un bon message de succès. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les choses que nous réussissons à faire ensemble de manière durable, il n'y en a pas beaucoup. Créé en 1998, en remplacement de l'ancienne Bourse des valeurs d'Abidjan, la BRVM poursuit son ascension. Et c'est avec une grande fierté que le chef de l'État s'est offert cette visite guidée sur les installations de la plateforme boursière basée à Abidjan. Et on parle des médias. Maintenant, sit-in ce vendredi, des professionnels des médias du Bénin. Ils dénoncent la fermeture de certains organes par la HAC. Le sit-in s'est tenu à la Bourse du Travail, en lieu place du siège de la HAC. Blaise Adanko, Monistorm. Ils ont laissé les rédactions et sonnent la mobilisation. Eux, ce sont les professionnels des médias du Bénin. La raison de ce sit-in, la fermeture des organes de presse, Soleil FM, Eden TV et E-Télé. Chose qu'ils jugent arbitraire et antidémocratique. L'Union des professionnels des médias du Bénin exprime son indignation face au retard extraordinaire qu'accuse la HAC. A procédé à la réouverture des médias audiovisuels, radio-télévision arbitrairement suspendus. Dans leur démarche, les journalistes ont le soutien des centrales syndicales. Que très rapidement vous puissiez déposer à nouveau la lettre, que vous puissiez reprogrammer le sit-in. Et là, nous allons faire en sorte que tous les travailleurs, en tout cas la plupart des travailleurs, même qui ne sont pas de la profession journalistique, puissent venir pour vous soutenir. Parce qu'il le faut. Votre combat est notre combat aujourd'hui. Je veux suivre Soleil FM. J'ai le choix, j'ai la liberté de choisir de suivre Soleil FM. J'ai la liberté de choisir et de suivre Eden Télévision. On ne peut pas m'empêcher. Je vous demande encore d'écrire pour dire que vous avez fait un sitting. Le sitting, c'est juste une information. Et on n'a pas besoin d'encadrer. Les hommes des médias ont prévu ce même mouvement pour la semaine prochaine. Et puis vous suivrez dans notre édition de 23h la réaction du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, M. Adam Bonitessi, après le sit-in des médias. Un drame à l'école primaire publique de Madékali, commune de Malanville. 5 écoliers sont morts en l'espace de 4 jours et plusieurs autres en état d'observation. Gagnés par la psychose, écoliers et enseignants ont déserté l'établissement. Pour l'heure, les causes de ces décès en cascade restent un mystère. Olviga Messan, Firmin Bassao. C'est désormais la course contre la montre après le drame qui a frappé l'école primaire publique de Madékali dans la commune de Malanville. 5 écoliers en sont morts et plus d'une vingtaine admis à l'hôpital de zone. Les investigations sont en cours pour qu'on identifie réellement le germe qui est à la base du décès brutal de ces enfants qu'on a constaté dans la communauté. On les a tous examinés, toute l'équipe médicale a été mobilisée et les signes qu'ils présentaient, c'était la fièvre, c'était les maux de tête, d'autres travers les maux de ventre. Après les examens, on n'a pas retrouvé grand-chose. Les causes du drame restent toujours un mystère. On a attribué le mal à des esprits
les élèves sont possédés au cours par ces esprits. Et lorsque les élèves parlent, ils parlent de beaucoup de décès dans les autres villages et qu'ici ils sont arrivés, les esprits sont en des centaines. Les sacrifices qu'il faut faire, ils ont fait ensemble. Après, on a invité les musulmans qui ont fait leur prière ici. Il faut tenir compte de l'anthropologie du milieu, mais je souhaiterais que des pistes du point de vue de l'hygiène soient un peu observées. Aussitôt alerté, l'autorité départementale ne manque pas de mots pour adoucir les cœurs déjà meurtris. Je ne voudrais pas aller, n'est-ce pas, dans les diagnostics. Nous allons essayer de croiser, n'est-ce pas, tous ces diagnostics, qu'ils soient scientifiques, mais également d'ordre anthropologique. Nous avons rendu compte depuis hier à la haute autorité, et je crois qu'à cette fin, les techniciens sont déjà à pied d'œuvre, que ce soit au niveau de Parakou comme au niveau de Cotonou, pour nous permettre de savoir exactement ce qui se passe à Madé Kali. Le plus urgent pour l'heure, c'est comment réussir le diagnostic, quelle que soit sa nature. Les populations inquiètes n'attendent que la fin de l'actualité qui défraie la chronique. Et justement, des rumeurs ont fait état de ce que ce drame serait à l'origine d'une épidémie de méningite au nord Bénin. De quoi s'agit-il concrètement? Le ministre de la Santé était tiède face aux hommes des médias pour apporter des précisions. On écoute Alassane Seydou au micro d'Éloïse Winato. Il nous est revenu le mercredi 11 janvier 2017 qu'il y a eu décès de 4 écoliers à Madé Kali dans la commune de Malanville. Pour tous les enfants décédés, l'interrogatoire des parents a retrouvé une notion de maux de tête à début brutal, sans notion de fièvre, suivi de décès brutal le même jour en communauté. Les décès ont eu lieu respectivement le 8, 13, 17 décembre 2016 et le 5 janvier 2017. Il s'agit de deux filles et de deux garçons de la tranche d'âge de 8 à 10 ans, écoliers en classe de CP, CE1 et CE2, issus de différentes familles et résidant tous à Madé Kali Centre. Les équipes de la zone sanitaire ont procédé à des séances d'examen systématique des enfants et à ce jour, 22 enfants présentant des signes similaires, à savoir maux de tête, fièvre, ont été identifiés et mis en observation à l'hôpital de zone de Malanville pour prise en charge et suivi. Dans une démarche étiologique, on a procédé à des examens de laboratoire, notamment l'examen bactériologique du liquide céphalo-rachidien à la recherche de méningocoques, germe responsable de la méningite épidémique. Sur les prélèvements effectués, on a obtenu chez un seul enfant la présence de diplocoque gram positif. Les autres prélèvements sont négatifs. Ces résultats permettent d'exclure à l'étape actuelle une épidémie de méningite à méningocoque. L'évolution du tableau clinique est favorable chez tous les enfants en observation actuellement à l'hôpital de zone de Malanville. Somme toute, nous ne sommes pas en situation d'épidémie de méningite à méningocoque. Les équipes conjointes du ministère de la Santé, de la direction départementale de la Santé Borgo Alibori et de la zone sanitaire Malanville-Karimama sont actuellement sur le terrain pour poursuivre les investigations. On parle maintenant de Wemerhoué. Les protagonistes de la crise de Wemerhoué 2017 souhaitent que le juge revienne sur sa décision du 12 janvier dernier, hier donc. Ils annoncent s'être déjà réconciliés et veulent que les festivités de Wemerhoué 2017 se poursuivent dans la sérénité. Alors, qu'est-ce qui ressort de la séance qu'ils ont eue en fin d'après-midi de ce vendredi avec le préfet de l'Ouémé? Nous vous proposons de suivre la déclaration à la fin de la séance.
La caravane du flambeau de Wemekwe, les retrouvailles annuelles des filles et fils de la vallée de l'Ouémé, s'ébranle de bon nom pour Dango à Zungue. Le site abrite les festivités de la 8e édition de Wemekwe et accueille en signe de confirmation le flambeau de l'Union des ressortissants de la région Ouémé. Mes impressions, elles sont bonnes. Vous-même, vous avez constaté, vous avez vu ce qui se passe. On sait que ça va bien se passer. Les Ouémé, nous qui sommes aux États-Unis, sont venus spécialement à la fête. Ceux qui sont en France sont là. Ça vous dit que le pèlerinage est désormais conquis. Ce jeudi, deuxième jour du festival, a été meublé de cultes d'obédience religieuse diverses et reste surtout marqué par le lancement de la foire agricole et artisanale de la fête. Je crois au développement de cette vallée-là. Je crois à ça. Le site sur lequel nous sommes ici, c'est le site qui abritait la Sonia. Et la Sonia, qu'est-ce qu'on faisait à la Sonia? On cultivait le riz. Aujourd'hui, nous pouvons donner à manger à tout le Bénin, hein, à l'Afrique entière, en cultivant, en reprenant notre culture de riz. Outre cette foire, le reste de la soirée devrait être meublé d'activités culturelles et de divertissements de tout genre. Et puis toutes nos excuses, vous suivrez à 23h donc la déclaration des protagonistes de cette crise qui semble se donner la main et qui on se dirige probablement vers la tenue donc de cette fête communautaire le dimanche. En attendant, de suivre donc la déclaration à 23h. Alors, quelles sont les conditions de vie dans nos prisons et qu'est-ce qui explique la chute de la filière véhicule d'occasion? Ce sont là quelques questions auxquelles le gouvernement avait été invité à répondre devant les députés à l'hémicycle. Le point avec Guillaume Avienon. Le gouvernement face aux députés pour répondre à quatre questions d'actualité avec débat. D'abord, celle relative à la chute de la filière des véhicules d'occasion au Bénin. Une filière porteuse de devises pour le pays qui traverse depuis quelques années d'énormes difficultés aggravées par les problèmes que rencontre le Nigeria voisin du Bénin. Dans le passé, chacun au niveau gouvernemental fait quelque chose pour avoir des recettes chez lui. Même des fois le palais. C'est un secteur dans lequel il a beaucoup de Nigériens, hein, et beaucoup de Béninois. Lorsqu'il veut prendre des décisions, il faut qu'il se rappelle quand même du bien-être des Béninois et du bien-être de ses propres citoyens. Outre la chute de la filière de véhicules d'occasion au Bénin, la représentation nationale reste préoccupée par les conditions de vie dans le monde carcéral béninois. Le Bénin n'a pas toujours une bonne presse dans le domaine. Je vais admettre que nos compatriotes appuyés à séjourner dans les maisons d'arrêt et prisons soient traités comme des moins que rien, comme des, j'allais dire comme des bêtes. L'amélioration des conditions d'hygiène est liée avec la réduction de la surpopulation carcérale. Mais il faut agir de manière préventive. Nous avons signé, établi une lettre séculaire à l'égard de tous les procureurs de la République afin que pour des délits, des infractions qui n'ont pas lieu d'être, qui ne devraient pas conduire dans un centre de détention, que ces procureurs de la République, ces procureurs généraux regardent avec bienveillance. Dernière question adressée au gouvernement avec débat ce jeudi. Pourquoi les dispositions de l'article 28 de la loi portant prévention des violences faites aux femmes ne sont pas appliquées? Moi, je ne sais pas, je me demande à quoi nous sert notre loi, n'est-ce pas? Puisque, soi-disant, personne, aucun homme ne fait un effort. C'est pas demain la veille, mais ça ne fait rien. Nous allons continuer. Nous allons continuer à nous battre. Mais les femmes elles-mêmes, elles ne font pas grand-chose. Hein. Ça devient un fléau qui déshumanise la femme. Et c'est l'homme qui devient le bourreau, c'est ça qui est un peu gênant. L'homme qui devait être protecteur devient un bourreau. Surpris par le temps, les autres questions orales avec débat au gouvernement retenues pour la plénière de ce jeudi ont été reportées à la semaine du 23 janvier prochain.
Le gouvernement a décidé de se pencher sur le processus de reversement des agents dans la fonction publique. Il s'agit de clarifier une situation qui a duré 9 ans au lieu d'une année, avec pour conséquence un effectif pléthorique de la fonction publique. La rédaction a voulu comprendre les dernières mesures du gouvernement à ces sujets. À bientôt, Maro. En 2007 et 2008, le gouvernement béninois a pris la décision de procéder au reversement de 11 catégories d'agents dans la fonction publique. Ils étaient au total au nombre de 8 000. Puis subitement, en 2008, le gouvernement a prorogé le délai en prenant la décision de procéder au reversement des agents qui étaient présents dans l'administration au 31 décembre 2007. Et à fin décembre 2016, le gouvernement a procédé au reversement de plus de 30 000 agents. J'ai dit fin 2016. Donc, 9 ans après la prise de la décision, le gouvernement ne voit pas le bout du tunnel. Et il est question aujourd'hui de prendre une décision courageuse qui consiste à prendre les dispositions idoines pour mettre un terme à ces travaux de reversement. De faux diplômes, de faux certificats, des personnes non éligibles à la fonction publique, ce sont là quelques irrégularités qui ont émaillé le processus. Ceux qui sont éligibles au reversement ne sont pas inquiétés. On veut simplement s'assurer que les critères qui étaient fixés au départ ont été bien respectés par ceux qui ont été reversés. Mais si vous êtes nantis d'un faux diplôme, si vous avez un faux diplôme, franchement, vous devez comprendre que vous devez céder place en attendant. Donc, clarifier la situation, c'est une question de responsabilité. Pour une meilleure gestion des effectifs, des emplois et des compétences, le gouvernement, au dernier Conseil des ministres, a décidé de faire réaliser un audit de la fonction publique. Le gouvernement a décidé de procéder à l'audit des effectifs de la fonction publique pour s'assurer, structure par structure, de quel effectif est-ce que nous avons réellement besoin face à la masse de travail en présence. C'est cela. Et je voudrais rassurer les uns et les autres que c'est un cabinet spécialisé qui va réaliser l'audit et qu'il n'est pas question pour le gouvernement, a priori, de mettre à la porte le personnel qui sera en pléthore. Au contraire, c'est de procéder à leur déploiement. Là où il y a une pléthore, on dégage les agents pléthoriques qu'ils ont servi ailleurs. L'opération en cours permettra de mettre l'administration béninoise aux normes régionales pour le développement de notre pays. Le contournement de l'aéroport de Kadiéon pour sortir ou entrer dans la ville de Cotonou donne du fil à retordre. Et bien les usagers, surtout les conducteurs de motos, deux ou trois en roue, souffrent le martyr. Suivez ici le constat fait par Jérôme Bo et Donatien Falola. Le contournement de l'aéroport Bernardin-Cardinal-Ganty est de plus en plus fréquenté. Les usagers l'empruntent pour, d'une part, éviter les embouteillages monstres du carrefour Sikateut à Vedoko et d'autre part, aller à destination en un temps record. Sikateut a don et on go slow on go don dit don bon mais pas mon fils là mais non il y a où il fait mais quoi une raison mais quelqu'un on a mon fils là. C'est une voie vraiment que les gens pratiquent beaucoup. C'est un accès vraiment qui permet les gens d'aller, d'atteindre vite au boulot. Alors, compte tenu des embouteillages, beaucoup prennent pas cette voie pour vite arriver au service. Mais seulement voilà, l'influence du trafic entraîne la dégradation de cette voie. Des fois, il y a une autre, moi tous les noms français, quand vous voulez go aller au G, on met le nom ici c'est, moi tous les ici c'est pas bon. Je vais prier l'État d'essayer de tourner le regard sur cette voie, de le mettre un peu en état pour que la circulation soit un peu plus libre. Bon, pour ce qui est de la ville, nous demandons à notre le maire ou bien tous les gens là de nous aider ou de regarder la voie parce que cette voie, c'est une voie principale. Si on peut goudronner ou bien faire du pavé, ce serait un peu mieux. Ici, les autorités de la direction des infrastructures et des transports se disent sensibles aux peines des populations. Ces derniers temps, on a vu qu'il y a beaucoup de sable qui empêche, surtout aux engins à deux roues, de circuler facilement. On va aller voir et étudier les possibilités
de faire un aménagement pour permettre, en attendant le redémarrage et la poursuite des travaux de l'autre côté, ce qui sera fait pour permettre aux gens de circuler normalement. Par ailleurs, il y a sur ce tronçon des actes d'incivisme avec ces camions qui circulent en toute quiétude malgré l'interdiction. Conséquence, les barrières déjà endommagées. Un nouvel ouvrage vient de paraître. Son auteur, Eugénie Dossard-Quenom, a procédé à son lancement officiel hier à l'InfoCEP devant un public d'écrivains et d'admirateurs. Reportage Ghislain Pogui, Calvador Manon. La puissance des liens invisibles et les petits secrets de la vie, c'est le nouvel ouvrage de Eugénie Dossard-Quenom qui vient de paraître. Un essai présenté comme hautement spirituel et psychologique. Les liens invisibles dont il est question dans ce livre portent bien un nom, le Saint-Esprit. Que vient chercher une biologiste dans le spirituel? J'ai voulu faire prendre conscience aux gens de l'immense pouvoir que nous avons chacun d'influer sur les événements et par là de changer notre vie en bien, en mieux. Les forces invisibles évoquées ici permettent au lecteur, par leur connaissance, de renforcer sa confiance en lui. La puissance des liens invisibles et les petits secrets de la vie fait douter des concepts qui apparaissent si évidents et des réalités qui semblent si incontestables. L'auteur y évoque la force de la parole et de la langue. Eugénie Dossard-Quenom refuse de garder la sienne dans sa poche. Je refuse de pratiquer la langue de bois. Je suis connu sur le plan international comme un empêcheur de penser en rond. La puissance des liens invisibles et les petits secrets de la vie, un ouvrage qui conseille à tous la culture de la positivité. Et puis l'ouverture du 27e sommet Afrique-France ce vendredi à Bamako, au Mali. Cette rencontre se penchera sur la question des migrants africains en Europe. Ce sommet est en outre l'occasion pour le président français François Hollande de faire ses adieux au continent africain. La rencontre prend fin demain. Parlons sport à présent, à quelques heures du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des groupes de la phase éliminatoire de la compétition en 2019 au Cameroun. Reportage. Alors que le top départ de la CAN 2017 n'a pas encore été donné, la Confédération africaine de football se projette déjà sur l'édition prévue dans 2 ans au Cameroun. Elle a procédé ce jeudi au tirage au sort des groupes de ses éliminatoires. 12 poules ont été mises en place. Le pays hôte, le Cameroun, prendra également part à cette phase. Il est logé dans le groupe B en compagnie du Maroc, du Malawi, des Comores et de l'île Maurice. Le Nigeria et l'Afrique du Sud sont logés dans la même poule. Duel quasi fraternel en perspective entre la RDC et la République du Congo. Les deux pays se retrouvent dans le groupe G, alors que dans le groupe J, l'Égypte rencontrera un autre pays du Maghreb, la Tunisie. Seront qualifiés au terme de ces éliminatoires les 12 premiers de chaque groupe, ainsi que les 3 meilleurs deuxièmes de tous les groupes. Eh bien, cette édition va s'achever. Merci pour votre fidélité. Le programme prévoit, à partir de 21h, le jeu, la Reine des Champions. Et puis, juste après ça, vous aurez 2 feuilletons, à savoir Le Choix de l'Amour et Widec. À 23h, le JT Soir, ce sera avec Jérôme Moubo qui viendra donc vous donner de nouvelles informations et surtout la réaction du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. À suivre donc dans le JT 23h. Retrouvez sur notre plateforme www.ortb.bj cette édition. Merci de votre fidélité et à demain.